Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtuo, j'espère que vous allez bien. D'abord je voudrais vous remercier tous d'être aussi nombreux sur ma chaîne, donc je fais un face commentary juste pour vous faire plaisir et pour répondre aux questions du FAQ, donc vous me voyez. Putain, je ressemble à ça? Oh shit! Donc voilà comment on va s'organiser en ce qui concerne le FAQ, répondre aux questions, etc. Donc j'ai toutes vos questions là sur mon PC, il y en a pas mal, il y en a plus d'une trentaine, je crois. Donc, pour répondre aux questions, je vais d'abord donner votre pseudo ou votre nom. Je vais vous faire une petite dédicace. Je vais donner votre question, puis y répondre. Et voilà. Donc, étant donné que le commentaire risque d'être assez long, je vais pas mettre le facecam tout le long de la vidéo. À partir d'un certain moment, je vais couper. Je vais mettre un gameplay sur code, sur BF ou bien sûr GTA V. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et encore une fois, merci, merci d'être aussi nombreux sur ma chaîne. Le truc, c'est pas que j'ai énormément d'abonnés, mais c'est que c'est monté super, super vite. Donc du coup, bah voilà, je vous remercie autant que vous êtes. Donc là, comme je regarde, je suis à 5058. C'est vraiment énorme. Donc le FAQ sortira demain, jeudi 23 janvier. Donc voilà, on est le 22, je fais ça, je viens juste de revenir de cours. Enfin bref, donc je vais répondre aux questions banales. Donc tout d'abord, je m'appelle Arnaud. J'ai 17 ans. Je suis en première STI 2D au lycée de la Tourelle. Donc grosse, grosse dédicace à tous ceux qui sont dans ma classe et qui regarderont cette vidéo. Grosse, grosse dédicace à vous. Donc voilà, donc on va passer aux questions un peu plus complexes. Donc première question de Yanis, vas-tu faire des vidéos avec des abonnés amis sur un serveur GTA pour les 5000 abonnés? Donc oui, je vais en faire un. Donc par ailleurs, vous avez pu voir ma vidéo que j'ai sortie hier, donc qui sortira aujourd'hui 22 janvier, que je pour fêter mes 5000 abonnés, j'organise deux soirée avec mes abonnés et mes amis qui sera le vendredi et le samedi soir, donc tout sera filmé en direct pour délirer, etc. Vraiment pour fêter l'événement. Donc voilà. Donc une question de Lexi. D'où te vient le nom Virtuos? Feras-tu de nouvelles séries? As-tu des projets sur d'autres jeux pour ta chaîne? Alors, d'où m'est venu le nom Virtuos? Donc Virtuos, vous allez peut-être me prendre pour un teubé. C'est juste un soir en gros et bah, je regardais, je sais pas, j'étais avec des potes et d'un seul coup on parlait d'un sujet, ça parlait de la musique, etc. Et la musique c'était, excusez-moi, c'était de la musique, on parlait, après d'un seul coup on a parlé de Virtuose. Et bah, après je me suis dit Virtuose parce qu'avant je m'appelais Ghost en fait et du coup après j'ai trouvé ça un peu ridicule. Donc du coup je me suis appelé Virtuose tout simplement parce qu'on avait parlé avec des potes de Virtuose en ce qui concerne la musique. Feras-tu de nouvelles séries? Donc oui. Oui, je vais faire de nouvelles séries. Donc à partir de mars, une nouvelle série sur Titanfall va arriver parce que je vais me l'acheter. Donc je ferai sûrement un let's play sur la campagne de Titanfall quand il sortira. Après j'ai un projet avec d'autres youtubeurs qui va venir avec une série, donc vous pourrez aller voir leurs chaînes qui sont dans ma sous-box. Après en ce qui concerne des séries, j'ai pas vraiment d'idée en tête pour le moment, mais ça risque de venir. As-tu des projets sur d'autres jeux pour ta chaîne? Donc oui, donc des projets sur Titanfall, sur BF, donc vous avez bien vu que je vais lancer une série sur BF avec une sorte de parodie. Donc une question de Adrénaline. Quels sont tes projets futurs pour ta chaîne? Donc voilà, je l'ai dit, hein, c'est vraiment continuer à faire les glitches et les astuces. Faire plus de vidéos fun, faire plus de vidéos avec mes abonnés, un let's play sur Titanfall si jamais il y en a un. Et voilà, alors pourquoi tu t'es lancé sur YouTube? Une question de Winner Zombie, donc pourquoi tu t'es lancé sur YouTube? Comment ça a commencé ton matériel logiciel, etc. pour faire tes vidéos, tes éventuels projets sur ta chaîne? Donc pour les projets j'ai déjà répondu, donc pourquoi tu t'es lancé sur YouTube? Donc cela remonte à très 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 longtemps. Cela remonte à un peu plus d'un an et demi je crois. Donc c'était avec ma team, donc mon ancienne team qui était la Dose, donc dédicace à eux même si assez dissoute.
Donc du coup on avait décidé entre potes avec le chef de team parce que je faisais partie du chef de team, on avait décidé de faire des vidéos fun sur Call of Duty Modern Warfare 3. Donc du coup on s'était dit ouais on va se lancer sur YouTube et tout, on avait vu avec le chef pour s'acheter un HDP vert ensemble et vraiment sans problème. Mais du coup il y a eu quelques difficultés etc. Donc du coup je me suis restreint et j'ai voulu continuer avec une seule personne sur ma chaîne. Donc j'ai voulu continuer avec Psycho, ce que vous avez pu voir dans mon épisode Minecraft. Donc on a voulu faire une chaîne ensemble, on l'a faite, sauf que ça s'est très très mal passé, il y a eu quelques embrouilles, etc. Donc c'est pour ça que j'ai lâché mon ancienne chaîne. Je me suis stoppé sur YouTube pendant à peu près 4 ou 5 mois, j'ai sorti aucune vidéo et après j'ai décidé d'un seul coup pendant les vacances de recommencer tout à zéro. Donc du coup j'ai recréé une chaîne, j'ai commencé, bah, je l'ai renommée exactement comme celle d'avant, donc Monsieur Virtuose. Et bah voilà, après j'ai commencé avec des petites parodies. Donc voilà comment j'ai commencé avec des petites parodies, des gameplays banals sur code. Et puis bah il y a eu cette révélation sur GTA V avec ce magnifique glitch d'argent que j'ai sorti et qui m'a permis de me faire un peu connaître. Donc du coup bah après j'ai continué dans tout ce qui était glitch, astuces, etc. Et je vois que ça marche super bien, donc je vais continuer. Alors mon matériel et logiciel, donc je possède un HDP vert Gaming 2. Mon logiciel pour faire mon montage, à la base j'utilise After Effects, mais mon logiciel rencontre des problèmes comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, donc c'est pareil pour Photoshop etc. Donc pour le moment je vais y arriver. Donc j'utilise actuellement Movie Maker, donc vous allez me dire ouais c'est un logiciel banal, mais pourtant j'arrive à faire d'assez bons montages pour le moment. Mais sachez que After Effects va revenir très très vite sur mon PC, il faut juste que je puisse m'en occuper. Donc voilà, donc une question de FLIZ. Super ton gamer tag. Donc quel véhicule as-tu dans ton garage? Alors dans mon garage, donc je suppose que c'est sur GTA V. Alors j'ai une Coquette, j'ai une Entity, j'ai une Phoenix, j'ai une Viguero, j'ai une Sentinelle XS, j'ai une Batty 801 et je crois que c'est tout. Je suis pas sûr, je vérifierai après, je te mettrai peut-être un screen de ça. Donc question de You Glou Glou, aimes-tu les pommes? Donc oui, j'adore les pommes. Quel a été ton jeu préféré en dehors de GTA? Comptes-tu refaire un peu de BO2 genre zombie avec les abos? Donc oui, j'adore les pommes, oui. Donc j'adore les pommes. Quel a été ton jeu préféré en dehors de GTA? Donc franchement, mon jeu préféré, j'en ai pas vraiment eu, mais si je devais donner un jeu, ce serait Forza Motorsport 4. J'ai vraiment adoré ce jeu, je l'adore toujours d'ailleurs. Et bah voilà, franchement, c'est vraiment un jeu que j'apprécie. Comptes-tu refaire un peu de BO2? Donc oui, je vais en refaire. Je vais refaire un peu de BO2 parce que j'avais déjà donné des astuces. Mais oui, je ferai des vidéos avec mes abonnés, comme je l'ai dit précédemment. Alors, quelle est ta passion en dehors des jeux vidéo et quel est ton youtubeur préféré? Donc une question de Call of the Geek. Donc quelle est ta passion en dehors des jeux vidéo? Donc ma passion en dehors des jeux vidéo, je fais pas, mais j'adore le handball et les sports automobiles. Je faisais de l'athlétisme avant, mais j'ai arrêté. Et voilà. Donc quel est mon youtubeur préféré? Donc mon youtubeur préféré est Squeezie, tout simplement parce que j'adore son humour, j'adore ses vidéos. Bah voilà, je pense que ça va répondre à ta question. Alors Damien, pourquoi les glitches? Alors pourquoi les glitches? Oui, bonne très très bonne question. Donc comme je l'avais dit dans une vidéo, je crois, je suis glitcher et astuceur. Je sais pas si ça se dit. Enfin bref, on verra bien. Donc du coup, je suis astuceur et glitcher en même temps, mais plus astuceur. Je sais pas, on s'en fout si ça se dit ou pas. Mais du coup, bah c'est ce qui, je vois que c'est ce qui intéresse les gens sur YouTube. Moi, ça me fait plaisir d'en faire, même si mon gros gros kiff, c'est vraiment de faire les vidéos. Délire etc. Mais sinon bah les glitches ça me plaît etc. Et je vois que ça vous plaît, donc je continue sur cette voie-là. Anas, donc tu fais des études, quel est le logiciel que tu utilises? Donc je fais des études de je suis en première STI 2D, donc pour ceux qui ne savent pas, donc STI 2D, sciences technologiques de l'industrie et du développement durable,
rien à voir, je ne veux vraiment pas me lancer dans le développement durable, c'est juste que j'ai pas vraiment eu le choix que de prendre cette filière-là. Donc du coup, j'y suis allé sans problème. À la fin de l'année, je vais m'orienter vers un BTS audiovisuel, donc parce que j'ai envie de faire du montage comme futur métier, donc ça tombe bien que je fasse des vidéos sur YouTube. Alors, une question de Monsieur Game 60, donc joueras-tu sur PS3? C'est pas que je veux pas, j'aimerais bien jouer sur PS3, mais le problème c'est que je ne peux pas forcément, parce que j'ai déjà une Xbox 360, j'ai déjà une Xbox One. Étant donné qu'il y a la PS4 qui est sortie, je vois pas trop l'intérêt d'acheter une PS3. Si jamais j'ai un pote qui me la vend à très très bas prix, peut-être que je l'achèterai juste pour vous faire plaisir et jouer avec vous, parce que je sais que vous êtes énormément, énormément nombreux à être sur PS3 sur ma chaîne, et du coup j'aimerais bien jouer un peu avec vous, ça serait assez cool. Une question de LeBron James, quelle taille mesures-tu? Bah, je vous laisse en déduire. Je suis assez grand, donc je sais pas si vous voyez encore ma tête, mais je suis assez grand, donc je mesure plus d'1m85. Tu vas me dire que c'est assez grand, mais c'est comme ça, j'ai pas pu, je choisis pas ma taille, on choisit pas son destin ni rien. J'ai grandi d'un seul coup et voilà, je fais plus d'1m85 et bon, voilà. Quand vas-tu te montrer en vrai? Donc bah c'est fait, je pense que je peux pas faire mieux, donc c'est fait, je me suis montré en vrai, j'ai montré ma tête, etc. Je ferai peut-être d'autres face commentary, mais j'en ferai pas tout le temps parce que voilà, j'essaie quand même de garder un peu l'anonymat parce qu'on sait jamais, parce qu'il y a quand même pas mal de grosses têtes sur YouTube, donc il y en a qui veulent se moquer, libre à vous, j'en ai strictement rien à foutre. Sachez-le, les critiques j'en ai déjà reçues, j'en passe outre. Et c'est comme les insultes quand on me dit que je plagie des youtubeurs, je passe outre de ça, je m'en mêle même pas. Donc voilà. Alors, une question de Lucas, que penses-tu de GTA? Est-il beaucoup mieux que les autres? Et penses-tu que les glitches sont utiles et crois-tu que tu aurais pu réussir sans ces glitches? Donc, que penses-tu de GTA? Donc, GTA, oui, j'adore cette série. Après, je pense que tu as oublié le 5. Donc, si c'est que du GTA, bah, j'adore cette série. Je commençais à GTA 4 et j'ai vraiment kiffé. J'ai eu San Andreas un peu plus tard. Après, en ce qui concerne de GTA 5, personnellement, je l'aime mieux. À part, hormis quelques défauts en ce qui concerne la police, etc. Mais sinon, c'est vraiment GTA 5 que je préfère. Alors, est-ce que j'aurais réussi sans les glitches? Peut-être. Après, je ne sais pas si j'aurais pu réussir ou pas parce que j'ai pas pu tester ça. Mais sinon, peut-être, peut-être pas parce que je faisais des parodies. Donc, je vous invite à aller les voir. Donc, je faisais une parodie, une journée dans la peau 2, qui sont toujours disponibles sur ma chaîne. Vous pouvez aller les voir. Je faisais ça avant. Je faisais ça pendant les vacances, mais comme les cours sont arrivés, j'avais de moins en moins de temps pour pouvoir réaliser ces parodies. Du coup, bah, il fallait bien que je me lance dans autre chose. Alors, une question de Hightech, donc elle m'a beaucoup, beaucoup fait rire. Donc, combien as-tu de mains? Combien as-tu de doigts de pied? Est-ce que tu es humain? Alors, je pense que comme tout le monde, je dois avoir deux mains. Je sais pas, je dois avoir deux mains et combien de doigts de pied? Attendez que je compte. 1, 2, 3, 4. Donc j'ai 5 sur le gauche et 1, 2, 3, 4, 5. Bon, j'ai 5 sur le pied droit aussi, donc je crois que ça doit faire 10. Donc je sais pas, à toi de juger si je suis humain ou pas, mais je pense que oui. Donc une question de Paul, as-tu des projets sur différents jeux? Si oui, lesquels? Donc je l'ai déjà dit. Une question de Kalash, aimes-tu tes abonnés? Oui, je vous adore, je vous aime, je vous fais de gros gros bisous. Une question de X-Man. Donc, fais-tu du sport? Si oui, lequel? Donc, non, je ne fais pas sport. Je ne fais pas de sport. J'aimerais bien faire du handball, mais il n'y a pas de club à proximité de chez moi. Donc, du coup, ça me fait un peu yesh. Si je puis me permettre. Donc, aimes-tu le foot? Si oui, quelle équipe? Quel âge as-tu? J'ai déjà répondu. Et quels sont tes projets de youtubeur? Une question de Fabio. Donc, aimes-tu le foot? Non, je n'aime pas le foot. Il y en a beaucoup que là qui vont me dire ouais t'aimes pas le foot je vais te tuer. Non, j'aime pas le foot, c'est pas vraiment le sport que je kiffe le plus. Je ne supporte pas d'équipe parce que je m'intéresse pas du tout au foot et tout ce qui est comme ça. Donc une question de Black, sur quel forum préfères-tu aller? Tes préférés, tes plus décevants. Donc les forums sur lesquels j'aime le plus aller. Donc ça sera Dream Gaming, Code QG et Reality Gaming. Donc c'est trois forums
que j'ai beaucoup apprécié, même si Dream Gaming j'ai plus apprécié que Reality Gaming ou Code QG. Mais si je devais placer dans l'ordre, ça serait Dream Gaming, Reality Gaming plus Code QG. Donc si jamais vous voulez faire un tour sur ces forums, je mettrai les liens dans la description, il n'y a pas de problème. Donc une question de The Benji, quelle a été ta toute première console? Quel a été le jeu qui a marqué ton enfance? Donc quelle a été ma toute première console? Donc ma toute première console, ça a été la Game Boy Color. Je sais pas si on peut appeler ça une console. Donc si c'est la console, bah ça serait une Game Boy Color. Sinon, ça serait la toute première Xbox, hein, donc le gros gros cube noir qui ressemble pas vraiment à grand chose. Et quel a été le jeu qui t'a le plus marqué? Donc le jeu qui m'a le plus marqué, ça sera Viva Pinata. Franchement, c'est un jeu que j'ai particulièrement adoré. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller regarder des vidéos sur YouTube ou si jamais vous voulez que je fasse une petite vidéo dessus. Donc je vous dis quelque chose avant, c'est que c'est pas vraiment un truc où on va se taper des barres tout le long du jeu quoi. C'est vraiment un jeu calme, détente et vraiment sans problème. Donc la toute dernière question pour finir, donc c'est une question de magie. Qu'as-tu comme jeu vidéo? Donc quel jeu j'ai? Donc j'ai GTA 5, j'ai tous les Call of Duty à partir de MW2, donc MW3, BO1, BO2, Ghost, etc. BF4, GTA 5, Forza Motorsport 3, Forza Motorsport 4, Forza Horizon, Forza 5. J'ai quoi d'autre? Bah après c'est d'autres jeux externes qui sont sortis il y a pas mal de temps. J'ai Rainbow Six, j'ai Halo 3, j'ai Assassin's Creed Brotherhood. Après j'ai plein de jeux sur Xbox, sur ma Xbox directement sur mon disque dur. Donc ah j'avais oublié une toute dernière question de LiveRaiser. Donc dédicace à toi. Pourquoi les pommes? Donc comme les pommes je l'avais déjà dit sur une vidéo. Donc c'est juste pour faire référence parce qu'à chaque fois on me posait des questions assez débiles si je puis me permettre. Par question débile, je vois par exemple on me pose la question pourquoi tu t'appelles Virtuose? À la base je répondais parce que la Terre est ronde et après je trouvais que ça faisait un peu long et que c'était un peu chiant. Donc du coup je me suis dit bah quand quelqu'un m'a reposé cette question j'ai dit parce que pomme. Et d'un seul coup, ça a été le coup de foudre pour les pommes et du coup, bah, j'ai commencé à appeler tout le monde pomme, 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 pomme girl. Et voilà. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à un max de questions, que vous avez pu avoir des réponses assez satisfaisantes de toutes les questions que vous attendiez. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours me les envoyer en MP sur YouTube, Facebook, Twitter, Skype, Xbox. Hein, je peux toujours y répondre, même si je suis pas en vidéo, il n'y a aucun problème. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie encore une millième fois pour les 5000 abonnés, c'est vraiment énorme. Et ben voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye tout le monde.